On connaît déjà le bonus réparation sur l'électroménager, la cordonnerie. Allons voir de plus près ce qui concerne les vêtements. Bonjour madame. Alors j'ai une veste décousue à faire réparer. Alors, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On a un bonus de réparation depuis début avril. Donc, hop. Donc là, c'est couture défaite. Oui. Donc de base, normalement, donc une non double, donc comme celle-ci, vous revient de base à 14 euros. Sauf que vous avez un bonus de réparation de 6 euros. Donc ça vous revient à 8. Une réduction conséquente, un atout pour faire réparer ses vêtements. C'est pas tous les jours qu'on vient faire réparer un manteau, une veste, un jean. Et là, en voyant un bonus de réparation, où est-ce que les gens gagnent à peu près quand même un bon 30-40% dessus, ils sont très contents. Pour les gens qui n'ont pas les moyens, c'est bien. Comment l'atelier savoir-faire, agréé par l'État, peut-il mettre en place cette réduction ? À la base, vous avez donc l'organisme ReFashion, qui est mandaté par l'État pour récupérer l'écotaxe, donc que nous, on paye dans les commerces d'habillement, de textile, quand on va acheter un vêtement. On a quelques centimes d'écotaxe par vêtement. Donc ReFashion s'occupe de récupérer cette écotaxe et la transforme en bonus réparation. 20% de clients en plus depuis la mise en place du bonus début avril. C'est dans cet atelier d'insertion de 20 personnes que les réparations ont lieu. C'est beaucoup de la fermeture. Fermeture de blousons, de pantalons et tout ce qui est petit accro aussi. Accro de pantalons, de blousons. Et en plus, ça favorise l'insertion. C'est ça aussi. Parce que les filles comme ça, elles passent, elles ont de nouvelles compétences. On pense qu'en fin d'année, on sera en mesure d'embaucher 2 personnes supplémentaires pour faire face à l'activité croissante par rapport au bonus réparation. Avec de l'économie circulaire, étant donné qu'on est vraiment dans cette démarche écologique, on devrait pouvoir apporter plus de travail au tissu rural qu'est la ville de Péronne. Dans les Hauts-de-France, 60 associations de ce type proposent ce bonus qui permet aussi et surtout de prolonger ses vêtements.